Plus l'acheteur du chantier, là je suis même pas prêt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Je suis vraiment content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble carrelage métro. Vous expliquer les points forts, les points faibles, qu'est-ce qu'il y a de facile, qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu plus difficile avec le carreau métro. Et on va réaliser ensemble une jolie crédence de cuisine réalisée il n'y a pas si longtemps que ça. Et écoutez, je vais vous laisser découvrir tout ça. Alors, carrelage métro, très pratique. Petit format, c'est assez facile à manipuler. Et ici, c'est une pose en décalé que le client voulait. Alors, comment ça se passe? Et bien, tout simplement, il faut un petit peu se projeter. Si on veut une pose en décalé, on va la faire en joint décalé, c'est-à-dire qu'on va avoir un carreau entier et sur la moitié de ce carreau, on va avoir un joint juste au-dessus. On est décalé sur la moitié d'un carrelage. Comment ça fonctionne? Tout simplement, bon, on va couper des moitiés de carreau. On va s'en faire plusieurs. On a pas mal de coupes hein, sur la pose en carreau métro. Donc j'ai préparé peut-être une dizaine de coupes sur des moitiés de carreaux, ce qui fait que je vais pouvoir faire plusieurs hauteurs. Je vais commencer avec un entier sur le plan de travail, sur la petite remontée du plan de travail. Je vais faire une grande partie de la ligne et je vais ensuite poser la moitié juste au-dessus. Je vous conseille hein, pour le carrelage métro, c'est pas de peigner très épais. Si vous commencez sur des bases de 8 mm, on n'est pas trop mal. 6 mm, c'est bien. Après, n'allez pas peigner à 10 mm. Là, vous allez avoir la colle qui va ressortir dans les joints. Ça va juste être très très compliqué à nettoyer à chaque fois. Important aussi, c'est d'avoir des cales. Alors j'utilise plusieurs types de cales, hein. Celle-ci je les aime bien, c'est une marque italienne qui fait ça et ça permet de désolidariser le carrelage du plan de travail. Ensuite vous le verrez, je vais vous montrer comment je fais mes silicones, mais ça c'est pour après hein. Alors ça va être posé sur les deux angles de chaque carreau. Alors ça c'est important aussi, lorsqu'on pose des cales, on la pose pas au milieu d'un carrelage. Non, ça marche pas très bien. Alors sur des petits formats, on va dire que certains peuvent s'en sortir. C'est parce qu'ils ont un petit peu de chance quand même, je pense. Sinon, les cales, ça se pose vraiment aux deux extrémités d'un carrelage. Même si j'ai pas l'espace tout de suite sur le plan de travail, et ben vous allez voir, lorsqu'on met les cales, hop, ça permet de remonter. La colle ne sèche pas tout de suite. Vous avez un léger temps de travail quand même malgré tout. Sachez que les carreaux métro ont des biscuits derrière du carrelage qui est toujours un petit peu poreux, ce qui fait qu'il a tendance à vite boire la colle et à vite se figer. Sur les carreaux métro, généralement, on utilise des joints, des croisillons de 2 mm. Moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour les petits joints, les joints fins. Joints de 2 mm, je trouve ça très joli. 3 mm, je trouve que ça commence à faire un petit peu plus grossier. Essayez de prendre ce réflexe-là, c'est-à-dire que n'essayez pas
de mettre un croisillon et de poser le carreau pour glisser par-dessus, puisque vous allez avoir une remontée de colle encore. Ce que je vous conseille, c'est de poser le carreau directement sur le carreau que vous avez posé en premier. Vous posez l'autre dessus et ensuite vous mettez vos croisillons. Et là, s'il y a un petit liseré de colle, la colle va rentrer à l'intérieur. On n'a pas besoin d'avoir une très grande carrelette, la petite TS40 que j'ai, elle va très très bien. Et c'est ça qu'on aime aussi avec le carrelage métro, c'est que c'est très pratique, ça va très vite, ça fatigue pas trop. Et ça c'est un des gros points positifs du carrelage métro. Vous allez vous en rendre compte lorsque vous allez avoir des baguettes à poser. Alors là, ce que je vous conseille en l'occurrence, c'est des baguettes de 8 mm avec du carrelage métro. Vous allez le voir, parfois en profondeur, le carrelage se coupe un petit peu en biais. Alors soit vous avez une meuleuse et vous redisquez un petit peu pour avoir les bords propres. Moi, ce que je vous conseille d'avoir, c'est des petites cales à poncer. Ça va très très bien. Le biscuit du carrelage métro se ponce très très bien avec des cales à poncer. Je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un niveau laser. Là, ça va vraiment vous aider puisque ça va vous permettre d'avoir déjà les niveaux bien propres. Et puis surtout, ça va vous permettre d'avoir vos bonnes lignes de joints. On appelle ça sur les aplombs pour voir si tous les joints s'alignent vraiment bien sur les moitiés de carreaux. Ici, je pose ma baguette toute bête de 8 mm. 8 mm, ça suffit amplement pour du carrelage métro. C'est la finition qu'il faut. Moi, personnellement, j'aime bien les baguettes PVC blanches. J'aime bien quand c'est bien noyé dans la masse. Et là, ce qu'il y a d'important, si vous voulez une belle pose, il faut vraiment prendre votre temps et faire des beaux sillons sur le mur. Il faut vraiment que ce soit très propre, très régulier. Il faut vraiment qu'on voit essentiellement que les traits bien propres de la colle et ensuite on pose nos carreaux dessus. Si vous commencez à avoir des grosses irrégularités, si vous commencez à avoir, on va dire, des gros catons de colle, lorsque vous allez poser vos carreaux, forcément vous allez appuyer et la colle va ressortir. Et là, vous allez être bon pour renettoyer. Donc faites attention, la colle est toujours un petit peu plus sableuse, un petit peu plus granuleuse. Et lorsqu'on jointe, si on commence à voir 2-3 petites irrégularités, ça fonce un petit peu. Et là, j'utilisais un ultra blanc. Donc là, vraiment, j'avais pas droit à l'erreur.
allez vite vous en rendre compte. Bah, les carreaux métro, vu qu'ils sont très brillants, hein, c'est d'ailleurs ça qui fait le charme du carrelage métro, c'est les bords biseautés. Et ils ont été inventés d'ailleurs pour ça. Hein. Dans le métro parisien, c'est pour favoriser l'arrivée de la lumière, c'est pour qu'il y ait plein de reflets. Vous allez voir, hein, les carreaux métro ont parfois des films de protection qu'il faut un petit peu gratter. Ce que je vous conseille de faire, c'est de fonctionner par petites zones. Ici, j'utilise un joint blanc, un ultra blanc pour faire ressortir vraiment la lumière. Il faut vraiment que ce soit très clair. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir une solution, d'avoir une pâte un petit peu... Il faut que ce soit un petit peu pâteux. Mais si vous n'êtes pas du métier et si vous n'avez pas trop l'habitude de ces matériaux-là, eh ben, vous allez vite vous fatiguer avec la main. Donc l'autre conseil, c'est d'avoir un tout petit platoir à jointer. Ne prenez pas les fines baguettes en bois avec la lame en caoutchouc. C'est très très compliqué, c'est très long et vous allez vite vous faire mal aux mains. Le platoir, ça a une poignée, donc déjà c'est maniable. Et puis surtout le petit, eh ben, ça évite d'avoir un outil un petit peu gros dans les mains. Et franchement, honnêtement, ça fatigue assez vite. Hein, donc il faut avoir un petit coup de main. Prenez un petit platoir et l'autre conseil, c'est un platoir en mousse, tout simplement parce qu'il faut avoir le petit coup de main pour le plastique. Moi-même, je ne l'ai pas en fait. Les platoirs en plastique, franchement, je jointe 10 mètres carrés, j'ai mal au poignet. Essayez le petit platoir en mousse, peut-être que ça vous ira. En tout cas, c'est un de mes conseils vraiment pour le carrelage métro, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'irrégularités. Je trouve que moi, la mousse, ça suit un petit peu plus le mouvement. Le plastique, je trouve que ça arrête un petit peu, ça va pas en profondeur. J'ai voulu vous montrer une autre méthode hein, pour lisser les joints. Alors le premier conseil, c'est d'avoir vraiment une éponge adaptée hein, pour le carrelage. Il faut pas prendre une éponge Honda. Vous allez dans un rayon carrelage, vous allez chez un professionnel de carrelage, vous prenez une éponge. En moyenne, l'éponge de carreleur, c'est à peu près 5-6 euros. Honnêtement, vous allez vite vous y retrouver. Déjà, bah, parce qu'elle va ramasser un maximum et puis surtout, c'est qu'elle lisse très très bien. Et puis, vous vous en resservirez, j'en suis sûr, pour un prochain projet en carrelage. N'attendez pas non plus une heure hein, avant de lisser vos joints. Généralement, 15 minutes suffisent. Hein. Vous allez faire votre zone, vous restez 15 minutes. Et puis ensuite, vous allez commencer à la lisser. Le mouvement circulaire est très important puisqu'il va déjà permettre d'enlever ce qu'il y a en surface sur le biseau. Et ensuite, après ce mouvement circulaire, vous allez lisser dans le sens de vos joints. Alors moi, je vous conseille l'horizontal, le vertical. N'allez surtout pas en diagonale, ça ne sert strictement à rien sur le carrelage métro. Là, on est sur des lignes vraiment très strictes. Lorsqu'on joint du blanc sur du blanc, eh ben, c'est pas toujours facile et là il y a énormément de joints. Donc prenez du recul, ne pliez pas tout de suite vos outils et vous dites que c'est fini, puisque vraiment si vous portez vraiment attention aux angles, etc., vous allez voir, il y a peut-être 2-3 petites imperfections. Ça va très très vite, il y a tellement de joints, il y a tellement de choses à faire bah, que par moment quand on est fixé sur quelque chose, eh ben, on ne peut pas tout voir. Hein. Donc
prenez du recul et puis vous regardez à droite, à gauche comment ça se passe. Là, vous avez toujours avec vous une petite spatule ou un petit crayon et vous refaites vos petites finitions. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? Le silicone. Bon, ici, c'est un silicone blanc hein, que je vais poser. Hein. Déjà, il faut que les arasements soient très propres. Hein. Donc, faut pas d'aspérité, sinon ça va se mettre dans le silicone. J'aime bien les petits filets. J'en mets généralement pas des grosses épaisseurs. C'est vraiment pour la finition et vraiment bah, pour éviter que ça craque. Hein. Donc, il faut que ce soit fin, propre et régulier. Ce petit outil que j'ai découvert il y a peu de temps, honnêtement, avec ça, eh ben je fais des super joints. Ça va très très vite, ça enlève tout le surplus, ça peut pas rater. Donc ce que vous pouvez faire, c'est une toute petite longueur, vous essayez, et puis ensuite vous raclez avec l'outil pour les silicones. Vous allez voir, hein, ben vous allez être surpris parce qu'avec ça, vous n'allez pas en rater des silicones. Hein. Bon bah je vous laisse découvrir un petit peu ce que ça donne en fin de chantier. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications hein, si vous avez aimé cette vidéo et puis si vous aimez le style vidéo de Caro Tuto. Bon, je suis désolé pour les mains, hein, je sors du chantier à l'instant. Bon, elles sont pas trop mal quand même. Elles sont pas trop mal. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu. Hein, ça permet d'un petit peu mieux référencer les vidéos de Caro Tuto. Si vous avez des questions, vous avez le site en ligne carotuto.fr. Les vidéos, ils sont redétaillés. Vous allez peut-être avoir d'autres informations auxquelles vous ne pensiez même pas. Aussi, hein, la boutique en ligne, hein, je vous la mets en description de vidéo. Si vous aimez un petit peu les t-shirts originaux, restez bien à l'écoute puisque bah, je vous réserve peut-être des petites surprises courant de l'été, mais j'ai plus envie de vous dire à la rentrée des choses vraiment importantes, des choses vraiment qui me tiennent à cœur, des choses dont vous allez pouvoir profiter. Mais ça, bon, bah, faudra suivre Caro Tuto. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette pose de crédence vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous. Bon, bah allez, je crois que je vais pouvoir aller me laver là.